Bonjour à tous et à toutes et bienvenue du coup sur ce qui est le cinquième épisode parce que j'ai coupé un petit peu à la sauvage l'épisode précédent. Alors ce que j'ai fait pendant que vous étiez pas là, j'ai rechargé ma biomasse, j'ai lancé des recherches, enfin des recherches, une recherche. Là j'en fais toujours. Parce que je suis tombé à court de carburant. Hop, on complète. Et un petit temps de latence quand on veut se décrocher. Hop, on va se mettre ça. Voilà. Au moins, c'est rangé. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, je veux la tronçonneuse qui va me servir à faire du bois. Donc il me faut des plaques renforcées. Il va me falloir... Hop. Ça. Ok, hop. Là je vais m'en stocker. Un peu, c'est juste au cas où si un jour je suis dans le mal et je veux me faire des vis. Ce que je pourrais me faire, c'est me faire un autre constructeur que celui de la biomasse et m'en servir pour faire un peu ce que je veux, ou d'ailleurs me servir de celui de la biomasse pour faire un peu ce que je veux. On va faire des plaques renforcées, il m'en faut 10, donc c'est bon. On va pouvoir faire ce qu'il faut. Ça, c'est pareil. À terme, je vais essayer de l'automatiser. Est-ce qu'on peut mettre du biocarburant? Faut que je voie si on peut mettre du biocarburant dans les générateurs. Ça, c'est bon. Alors, on met ça, ça, ça. Il te manque quoi? Les plaques. Il manque du câble. Câble, 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 câble. Le câble, ça se fait avec le fil. Le fil, on va aller chercher ce qui nous manque. Attendez. Alors avant, je vais faire le test. J'ai du biocarburant. Oui, ça le fait. Donc on va faire le biocarburant. On va enlever ça. En production, on va se faire ça. Hop, voilà. Ça va se passer. Le cycle est de combien? 15 secondes. De toute façon, ça change pas grand chose, non? C'est toujours le même cycle. 6 secondes. Si, en effet, il y a une meilleure efficience, on va remettre ça à fond. Donc, si ça vaut le coup, en effet, on va chercher les bobines. Donc, le biocarburant prend plus de temps à être fait, mais il met plus de temps à se passer. Donc, l'un dans l'autre, ça le fait. Il faut. Là aussi, ça tourne comme il faut. Non. Non, mais de toute façon, c'est pas freiné parce que ça se stocke à chaque fois. Ah si. Et des fois ça merdouille quand même. Elle est bien alimentée comme il faut, elle.
Ouais, j'ai peut-être un petit peu tiré sur la corde. Là, on va prendre le minerai. On va faire... ça. Ça. Ça va faire un petit tampon. Et ce que je pourrais faire éventuellement, c'est un séparateur qui envoie ici. Ça pourrait venir là. Rentrer dans un groupeur. Non, pas dans un groupeur, dans un séparateur. Qui enverrait 1, 2. Alimenté depuis ici aussi. Enfin bon. Hop, on va ramasser un petit peu de feuillage aussi en attendant. Hop, hop, on va ramener ça à la base, ça sert toujours. C'est ici que j'aurais pu m'installer. Il y a pas mal de place aussi. Et j'ai découvert ce matin, parce que du coup là on est le lendemain, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 3 heures. C'est ça d'être papa. J'ai découvert Dorkin. Enfin, j'ai redécouvert. J'ai pas redécouvert, mais je suis repassé sur sa chaîne. Ça faisait un petit moment que j'y étais pas allé. Et j'ai eu la grande surprise de voir qu'il faisait aussi un let's play sur le jeu. Donc, il est bien plus avancé que moi. C'est vrai que je pensais plutôt à Tekamon pour ce genre de jeu, je vous avoue. Et j'étais surpris de voir que Dorkin était passé dessus. Du coup, bah, j'essaie de pas le regarder trop en avance pour pas me spoiler. Voilà. Donc ça avance bien. Ça. Ça. Voilà, comme ça on est en train de se convertir, de faire la conversion petit à petit. Donc c'est clic droit pour splitter. Voilà. Donc ça c'est bon, après on ira choper la tronçonneuse, ça permettra de faire de la biomasse plus facilement. Et je pourrais même faire... hop, ça on met... voilà, comme ça, ça c'est fait. Et je peux faire mon câble. Donc je pense que je vais même faire un constructeur devant la biomasse, devant le constructeur de carburant. Dedans je mettrai ma biomasse et lui il va me faire automatiquement le carburant. Comme ça, ça me fera une petite chaîne assez sympathique. Voilà, les 50, ils sont faits. On pose ça, ça. On appelle. Milestone reached. Additional to an inventory expansion, you are now capable of removing foliage that consists primarily of wood. Les murs, j'y suis pas encore. Donc ça, ce sera fait. Une assembleuse. Bon, on va se faire ça dans l'ordre. J'y aurai assez vite. Au niveau de la recherche. Ouais, spécimen, je vais choisir. Oui, j'ai fait une recherche hein, quand vous n'étiez pas là. Paleodictyopra berries or pale berries can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1.
Hop. Hop. Ah, il en faut 10. Pardon. Ça, c'est bien la peine. C'est le seul qu'il fallait en quantité. J'en ai pas assez. Faudra que j'aille à la chasse. Donc, moi qui les évitais. Je peux pas, sinon j'aurais fait autre chose. Alors, sinon. Dans combien de temps il revient? Dans 3 minutes. Moi, ce que j'avais dit que je voulais faire, c'était... Voilà. Ça, je prends. Vous allez voir. Ça... Ça, alors après, je sais qu'il y aura du charbon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire ici. Non, c'est pas ça que je veux. Vous allez voir. Organisation. Ah, je peux faire une tour d'observation. Ça pourrait être sympa, la tour d'observation, pour voir à quoi ça ressemble, ce monde vu d'en haut. Faire un truc comme ça. Vous allez voir pourquoi. Alors, ça. Je veux. Ça, vas-y, continue. Donc là, ça va venir ici. Donc là, ça va me faire ça, en l'occurrence. C'est pas comme ça que j'aurais dû le faire. Comment j'aurais dû le faire? J'aurais dû le faire plus loin et lui faire faire une boucle. Ouais. Vous allez comprendre ce que je veux faire. Donc ce que je veux faire, c'est partir d'ici. Aller. Dans un conteneur. Mais avant de venir au conteneur, il va me falloir... pas un séparateur, un groupeur. Vous allez voir, je vais faire une boucle. Toi, tu vas ici, ensuite. Ah ouais, mais non. C'est con ce que je voulais faire. Non, c'est con, parce que je voulais faire un tapis qui ressortait, qui venait ici, mais ça me veut tout m'y sortir. Parce que ça trie pas. Il faudrait qu'il y ait une fonction tri. Bon, c'est pas grave. On sait jamais si un jour je veux faire une autre machine à côté, donc lui il fera toujours du beau carburant. On verra, c'est pas grave, c'est pas perdu. Ça y va. Voilà. Bon, je ramasserai ça si j'ai besoin de ressources. On était plus à ça près. Ça, je vais remettre ça là-dedans. Là, je vais prendre ce qu'il me faut. Voilà, donc l'objectif, c'est d'automatiser le plus possible. Quand on sera au charbon, on sera bien. Il est revenu, le bloc. Il est revenu. Et après, je vais pouvoir aller chercher du bois. Qu'est-ce que je cherche ?
ça, 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 faut que je refasse des tuyaux, j'en ai, c'est pas ceux-là. C'est les tiges. Les tiges, les tiges, les tiges. On a ce qu'il faut. Hop là. Donc j'étais bien inspiré de faire mon automatisation comme ça. Et là je commence à être un peu dans l'inconnu à partir de maintenant. J'ai pas trop regardé après ça. Elle essaie de pas se spoiler justement. Je sais qu'il y a l'ascenseur orbital, mais bon. Voilà, en gros, je suis pas allé beaucoup plus loin que ça. Justement, pour pas trop me priver du ça. Du coup, je peux faire la tronçonneuse pour aller faire le bois. J'ai plus besoin de ramasser les feuilles. La tronçonneuse. Non, c'est pas ici. Ça doit être là. Balise, tronçonneuse. Il me faut des vis. Des vis, des vis, des vis, des vis, des vis. Et ça, je pense que c'est la prochaine chose que je vais automatiser, c'est la fabrication de vis. Donc la vis, ça se fait à partir des tiges de fer. Donc je pense que je vais me faire une... Je vais me chercher un filon de fer pour faire de... Le fer qui va me faire... des tiges, parce que j'ai encore besoin de tiges. Hop. Allez, il me faut des tiges aussi. Hop, donc je vais toujours avoir besoin de tiges. La tronçonneuse, on se la fait. On va s'équiper. Boîte de stockage, ok. Tac, 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 tac. Ascenseur orbital. Je vais pouvoir le construire aussi. Qu'est-ce que je voulais faire? Non. Ça. Ça, comment ça marche? Ah, il me faut du biocarburant. Je vais m'en garder 10 avec moi, je vais refaire le plein de reste. Bon, ça a l'air d'être tranquille. Ça, il y a des petits pics de consommation quand même des fois. Ouais, là ça s'est arrêté donc ça consomme moins. Et là va falloir que je fasse un autre assembleur devant lui pour transformer le bois en biomasse. Alors, est-ce que ça repousse après? Enfin, un truc de biomasse, soit en du bois, soit des feuilles. Hein, d'ailleurs, je suis pas. Hop. Comme ça, je me casserai peut-être moins la tête. Alors. Tac, 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 il me faut un constructeur, il me faut des plaques de fer, en attendant, on va faire l'économie, ça, on va arrêter, on va faire du bois. Voilà, ça va me faire de la biomasse, ça allait me stocker la biomasse là-bas. Ça va me laisser le temps de réfléchir. Donc moi, il me faut un truc qui me fait des vis, j'avais dit. Voilà, on va garder l'arme à portée de main. Si on tombe sur un xéno.
donc là, ça va. Ici, ça se passe comment? Merde. Ça se passe bien. Hop. Ça libère quand même pas mal la vue. Alors, du fer. Non, faut que je refasse une centrale électrique d'abord. Alimentation. Un brûleur, c'est bon, j'ai de quoi faire. Hop. Hop, comme ça. Hop, on va mettre la petite réserve personnelle. Bon, de toute façon, c'est tout relire. Non, c'est ici. On va faire ça comme il faut. Par minute, je prends, on va faire du biocarburant, on va mettre la biomasse, allez, ça me refaire de la biomasse, Allez, viens voir papa. On va faire le biocarburant. Il va falloir qu'on se fasse qu'on aille là-haut. Oui, je sais, j'ai pas des carburants. Ici je peux. Voilà, ça je casse. Là je peux me faire. La fonderie elle en fait combien? Il en fait 30 par minute. Lui il en bouffe combien? 15 par minute. Je vais faire. Tac 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 tac. C'est quoi? C'est une fonderie ou un constructeur? C'est un constructeur. Il me faut des plaques de fer renforcées. On va se refaire. L'établi, oui, je n'aurai pas. Par ici, il ne devrait pas gêner. Hop. Alors, il me faut plaques de fer renforcées. Voilà, normalement c'est bon. D'ici, je peux aussi. Non, c'est ça. C'est bon, pareil niveau lingot.
nouveau lingot, c'est pareil. Je vais reblender mon truc. Mes lingots, ils sont où? Hop. On voit, ça manque un peu hein, quand même de... Non, c'est pas le bon. C'est pas ici que je voulais. C'est ici. Hop. Voilà. Du coup, j'allais me faire ma fonderie ici. Je vais me faire des tubes. Je vais me faire des tubes. C'est une fonderie? Non, c'est un constructeur. Voilà, c'est aligné. Alors, on va se faire un séparateur. Ensuite, on va aller chercher de l'élec. Où il y en a. Je sais pas si... Après, ça s'optimise. Hein. Voilà. Ça, c'est bon. On va se faire des tiges de fer maintenant qu'il est en route. On va retourner s'occuper de la biomasse avant qu'on tombe en panne de carburant. J'ai encore de la biomasse ou pas? Non, donc on va changer, on va faire ça. Hop, on va prendre ça. On va faire ça. Voilà. On va en mettre un ici. Ici, on va en garder 20 sur soi. Hop. Allez, 10 sur soi, ça suffit. Voilà. Donc là, au moins, ce sera fait. Je peux lui faire faire quoi encore ici? Est-ce que j'ai du bois? J'ai encore 7 bois. Hop. Ça se coupe, ça? Pourquoi j'ai pas la place pour ça? Pas grave. Je sais ce que je vais faire. Ça.
Allez. On fait un peu de bois. Moi je voulais faire quoi? Je voulais l'ascenseur orbital. Qu'est-ce que je veux faire? Une tour d'observation. On va aller jeter un coup d'œil. D'accord. Ah, c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Ok. Là, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Ouch. Hop, on va manger. On va se remettre. Là, on est pas mal. Ce qu'on va essayer de s'amener, c'est ça, vers la base. Chercher des plaques. On va essayer de se ramener tout vers la base. Ah mais choucouillon, j'ai lancé une chaîne que j'ai pas fini encore. Il me faut ça. Je vais lancer. Ok. Voilà. Voilà. Donc là, ça va m'y amener comme il faut. Ça. Comment je vais faire? Ici, je peux faire un truc qui me fait des vis. L'établi. Les vis. Il me faut juste ça, il me faut des lingots avec. Les vis. Il me faut des plaques de fer. Non, c'est des plaques renforcées ou il me faut des plaques de fer? Il ne faut pas de fer pour faire des vis.
Voilà, il me faut que des barres. Donc ce que je peux faire, c'est que là je peux me faire un assembleur qui me fait des vis avec ces barres là et je réinjecte la production là dedans. Est-ce que j'ai dû faire ailleurs? À 230 mètres par là-bas, j'ai dû faire. J'ai dû faire par là-bas. Avant d'aller là-bas, je vais lancer la production de biomasse ou de carburant. Hop. On va faire du carburant avec de la biomasse. Le bois, je vais le stocker ici. Hop, hop. Ça, je vais poser. Les feuilles, je pose, j'ai pas besoin. Ouais, c'est bon. Et on va faire du carburant tout de suite. Là, ça pourrait avoir le coup, c'est d'en avoir un deuxième en parallèle qui me fait la même chose à chaque fois. 115, 47. Aller à la recherche de ce qu'il y a par là-bas. Qu'est-ce que je vais vouloir faire là-bas? Une fois, je voulais refaire un truc de vis. Écoutez, ce qu'on va faire là, ce sera pas efficace, mais dans un premier temps, je vais me faire une usine de vis ici. Alors, il me faut un constructeur. Sinon je suis con, plutôt que faire un splitter là, enfin un groupeur ici, je fais un groupeur là. Ça devrait le faire. Alors je voulais faire un constructeur. Ici, 3. Bon, c'est pas très joli, mais ça marche. On va faire des vis
Ah, j'ai plus de carburant. Ah oui, il y a lui qui s'est arrêté. J'avais oublié qu'il y avait lui. J'avais oublié qu'il y avait celui-ci. On va te donner ça. Ça, t'es passé à 62. On va profiter de regarder les autres. Les 16, on va lui donner. D'accord. Allez, on va continuer. J'aurais dû regarder où j'en étais de l'alimentation électrique. Voilà. Hop. Voilà, donc là je vais avoir des vis à foison. Si je voulais optimiser le truc, j'aurais regroupé les vis et les barres là-dedans. Mais bon, c'est un petit peu. Faut pas pousser. Voilà, donc là je vais avoir des vis qui vont se faire en série. Voilà, ça arrive assez bien. Voilà, et du coup, ici j'aurai de quoi faire tout ce qui est plaque renforcée dans le même conteneur. Donc ce sera une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut par ici ? Objet scanner noir. Hop. Ça on fait. Hop, 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 hop. Et on a 44 minutes. Eh bien, il va encore falloir que je coupe la vidéo en deux. Bon, c'est pas grave. On va jouer encore 15 minutes, puis après je couperai. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le temps passe trop vite sur ce jeu. C'est juste dingue. Donc, là c'est fait. Scanner de noix, j'ai pas. Mur à convoyeur. Activer la phase 1. Ascenseur orbital. Ah, c'est l'ascenseur orbital qu'il faudrait, je pense, à construire. Je l'ai vu. Et il était où? Spécial. Donc, il me faut du béton, des plaques de fer et des bobines. Ah, c'est ça que je voulais faire aussi. C'est amener... les amener ici. Ouais. Allez. On va amener tout ça ici. On va amener le cuivre par ici. On va l'amener par ici, le cuivre.
soit je passe à gauche là et je vais là-bas, soit je passe au-dessus de tout. On va se faire un container. Ça fait des trucs un peu à la con, mais bon. Je peux pas faire mieux que ça. Ah si, là je peux tourner mieux. Pourquoi là j'ai pas pu? Ouais, je peux pas. C'est peut-être parce que je suis sur une structure. Faut pas chercher. Voilà. Et si vous êtes des habitués de Factorio, vous savez que maintenant on va faire manger tout ça. Et voilà. Donc, maintenant, je vais me faire un point de stockage. Stockage. Ici. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. En attendant que là, ça s'achemine. Et c'est pour ça que les passerelles, ça va commencer à être important pour passer par-dessus les installations. Mais après, faut que je ferai ça au propre. Aller voir le biocarburant. Vivement qu'il y ait le charbon, je vous le dis. Hop. Parce que là, on va pas aller loin. Hop, voilà, au moins ça c'est fait. Donc, ascenseur orbital, qu'est-ce qui me manque?
ça bug. Allez. Donc il va me falloir du fil électrique. J'ai quoi dans mon inventaire? C'est bon, je suis large. Des plaques de fer, il m'en faut. Il me faut ça, il me faut. Une plaque de fer, c'est bon, il va me falloir du béton. Voilà, le béton, j'ai. Il va me falloir des tiges de fer. C'est bon. Et il me faut des bobines de cuivre. Donc les bobines de cuivre, vous les voulez. Voilà, on va remonter gentiment à la source en faisant le trajet. Je vais en avoir encore un paquet. Et je pourrais aller plus vite au site de production si je courais pas sur le tapis, mais ça me permet de me charger. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de charger à la volée. Hop, on va venir ici. Voilà. Et maintenant, on peut se faire l'ascenseur orbital. Alors, il vaut mieux le mettre pas loin de la base. On va pouvoir se construire assez vite. Quatrième. Non, c'est pas le quatrième épisode, c'est le cinquième du coup. On a combien de temps de jeu? 53 minutes, ouais, je le couperai en deux. Faire des tapis qui acheminent. Donc si on est un peu plus loin, c'est pas grave. Pas trop près de la base. Allez. Et là, on voit les ressources qui partent de mon corps pour aller construire la machine. Rien que ça, c'est beau. Les explos, c'est sympa, une vraie imprimante 3D, c'est tout joli. Bon, bah ça va marquer la fin de l'épisode de la construction de l'ascenseur orbital. Oh oui, j'lève les yeux au ciel. Ah, c'est joli en tout cas. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Carburant, j'en suis où moi? Ah oui, parce que je contemple, hein, mais il me faudrait vraiment un stockage devant, mais le problème c'est que je peux pas, quoi. Parce que si je mets un stockage ici,
Il va tout envoyer ou est-ce qu'il va... Si, vas-y, il va se vider en continu. Ah mais si, je suis couillon, c'est ce qu'il faut. Comme ça, il me fait des séries. Hop. Mais je suis bête des fois. Et il me fera une série de ce que je lui demande. Donc là, je lui demande de faire... Hop, je lui mets la biomasse. Il va me faire la biomasse tout du long. Donc ça, ça va arriver. Comme ça, ce sera bon. On va reprendre le carburant. Hop. On va en mettre un pour toi, un pour deux. Hop. Ouais. Hop, là c'est bon. 57, c'est bon, ça tiendra. Voilà, mais j'étais plus long de pas y penser avant. Du coup, quand ça se sera fini, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre le bois. Le bois va partir là. Bah, je suis con, j'aurais dû faire un circuit fermé. Ah mais non, ça me permet de faire un stop temps qu'on lance, c'est très bien. Voilà, comme ça il me le fait. En fait je pourrais faire un cycle, mais je veux pas. Là je pourrais faire partir d'ici, venir là, là, revenir, enfin je pourrais partir de là, arriver ici, d'ici, revenir là, et faire une boucle en permanence sur, sur 3-4 produits, mais c'est pas. Ça me contraint à faire la même boucle tout le temps. Et du coup j'ai pas de réactivité. Oui, chacun joue comme il veut, comme il peut. Alors, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me demande ici? Je vous avouerai que ça, ça m'enchante pas de... C'est pas ce qui m'affole le plus à faire, mais c'est un truc qui peut se faire vite, ça. Il me faut... 100. Et 250. Hop. Ah mais si, j'avais dit pour pouvoir passer au-dessus de tout ça sans toujours sauter. Ça. C'est bon. Les bobines. Milestone reached. To ensure optimal use of space, navigation and tidiness, R&D have developed stairs and conveyor walls. Ah, c'est une fabrique à tuyaux que je n'ai pas. À câble. Ouais, j'ai des lingots. On va utiliser un peu le stock qu'on a. Voilà, ça c'est fait. Du coup, je vais me faire les 100 câbles. Et on va se retrouver au prochain épisode. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ciao ciao les amis.